êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau son. Mais avant, on va lire la date comme d'habitude. Lundi 18 mai 2020. Alors, je vais vous lire les mots suivants et vous, vous allez repérer le son qui se répète. Zéro, zéro. Zone, zone. Zo, zo. Magazine, magazine. Alors, j'espère que vous avez bien repérer ou bien identifier le son qui se répète, c'est le son z. Le son z. Maintenant, on va suivre les mots suivants sur le manuel. Mais premièrement, vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez sur l'image. Qui est-ce? C'est Samy, sa sœur et d'autres enfants. Et voilà une soigneuse. La soigneuse. Que fait-elle? Que fait-elle? Il caresse le zèbre. Regardez la phrase. La soigneuse caresse le zèbre. Zèbre. Alors regardez, la phrase contient combien de mots? 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le cinquième mot qui contient le son z ou bien le graphème z. Je vais vous lire la consigne pour voir les mots suivants. Je repère et j'entoure le graphème z. Je repère et j'entoure z. Alors, regardez l'image. C'est une pizza, 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 pizza. Alors, vous allez chercher le graphème Z, Z et vous allez l'entourer. Deuxième image, c'est un animal, c'est la gazelle, gazelle. Cherchez Z et vous allez l'entourer. Troisième, zèbre. Zèbre. Vous cherchez Z et vous l'entourez. L'image suivante, zo. Zo. Vous cherchez Z et vous allez l'entourer. 12. Le nombre 12. Alors vous allez chercher Z et vous l'entourez. Puzzle. Puzzle. Cherchez Z et entourez là. La page suivante, c'est la discrimination visuelle et on va lire la première syllabe Z, I, Z. Comme d'habitude, on va chercher Z, la syllabe Z. Dans les mots suivants. Voilà. Zig, zag. Zig, zag. Je relis. Z, o, zo. Pardon. Alors, je vais chercher la syllabe zo. La voilà. Zodiac. Zodiac. Je relis. Z, e, z. Je cherche z. La voilà, zèbre, zèbre, z, a, za. Je cherche za, la syllabe za, la voilà, za, p, za, p. Z, e, z, onze, onze, je relis. La consigne ou bien l'exercice suivant, je complète avec la bonne syllabe. Za, zé, ze, zèle. Alors, regardez la première image. Pizza. Tapez les syllabes. Pizza. Deux syllabes.
Alors, vous allez chercher la syllabe qui ne manque, ici, parmi les syllabes. Deuxième, alors c'est le nombre 12. 12, 12, deux syllabes. Alors, vous allez chercher la syllabe qui ne manque, c'est celle qui contient le son Z. L'image suivante, gazelle, gazelle, trois syllabes. Vous cherchez la syllabe qui ne manque. Et dernièrement, zèbre, zèbre. Vous cherchez la syllabe qui manque et vous allez écrire dans la case vide. Alors, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris le sens Z. Essayez de trouver des mots et écrivez-les dans les ardoises pour bien retenir ce son. À bientôt, mes enfants!